I think the on top leader is here now. Can get started, buddy. Go ahead. Yes, on top leader is here. All right, thank you. March 18, I would like to start by wishing you welcome. It's a very nice, I mean, it was a cold day. Good evening, everyone. Students, families, staff, and community. I want to welcome you to our Haitian community conversation on reimagining multilingual learning. My name is Bodzi Omisil, and I'm a family resource specialist in the Office of English Language Learner at Boston Public School. I will be facilitating tonight's conversation. Before we move any further, I would like to have our interpreter just get in now, Mr. Moïse Pierre, to introduce himself and explain to you how to access interpretation. Just to let you know, the conversation we'll be having today will be conducting in Haitian Creole with interpretation in English. The presenters, remember please to speak slowly and be mindful of the simultaneous interpretation. And for those of you who need English interpretation, please make sure you click on the globe and you will be seeing that on the screen just in a few minutes. Mr. Moses, can you please introduce yourself? No, you're not there yet? All right, just we'll get back to you. So the rest of you will should select the Haitian Creole. At the bottom, you will see that in the screen. You see that in the screen at the bottom where it says interpretation. You just click on the globe to choose the language that you want to listen to. But basically, the idea is everyone will be in the on the Haitian Creole channel to facilitate the conversation. Bonsoir à tout le monde et tous les parents qui la famille, staff, toute communauté en général. Et côté que nous avons gagné une conversation ça et avec la communauté haïtienne autour de réimaginer ou bien repenser apprentissage dans plusieurs langues. Là. Nous sommes M. Bodzi Omisil, c'est un spécialiste dans les ressources pour famille et qui travaille dans l'école publique Boston, dans l'office élève capable d'apprendre l'anglais. Moi, va présider la rencontre là, ou du moins la conversation ça aujourd'hui. Hein. Et donc, nous avons un petit temps qu'on s'attend d'interprète là, qui c'est Moïse Pierre, qui va dire qui est-ce que lié et expliquez-nous qui j'ai que nous avons accès à Chanel pour interprétation. Donc, je dis, hein, et rencontre la fête en créole haïtien et va gagner interprétation qu'a faite et en même temps que Mounio qu'a présenté, hein, et va présenter. Et pour vous-même qui besoin d'interprétation, qui veut étendre la conversation en anglais, et vous pouvez cliquer en bas, côté web, que vous avez un globe blanc pour choisir l'anglais. Cependant, tout l'autre monde qui a choisi plutôt langue créole, Chanel créole. Moïse, nous ne sommes pas prêts, ou tu as une idée et pour rappeler les parents et qui là surtout, pour faire exercice ça, cliquer globe blanc et puis choisir. Et créole haïtien. OK. Miriam, I don't see the interpretation globe yet. You don't see the interpretation globe? No. It's already set. It's on the screen. OK. Do others see it on their screen? On the lower. Bottom right hand side, Bodhi, do you see it? Okay. Right next to the I can hear you now. Is that Moïse? Et pour clarification, if you need interpretation, the event will be done in Haitian Creole. If you want to listen in English, click on the English section and Mr. Moses will do the interpretation from Haitian Creole to English for those who are participating. Thank you. Thank you, Daphne. Could we have Moïse please test? One second. When I click on the globe, I have three choices, off, English, or Haitian Creole.
Yes, you choose Haitian Creole. Okay. If you want Haitian, yeah. It chooses English. And so could we have Moise please speak out loud? Hello? Yes, Moise. You hear me? Oui, oui. Ah, okay. Alors, nous entendons pas finir votre bien, mais nous entendons. Ah, ok. Écoutez là. Ok, ok. C'est les plus bons qu'on est. Ok. Ok. Donc, moi, m'a continué. Alors, moi, j'ai essayé de faire dans deux langues, mais m'a continué en créole et puis on va faire cela. C'est ça? Ou t'en okay. Démons? Yeah, I'm better. Ok. Pas de problème. Ok. Donc, slide qui parle par être là qu'on est là, c'est pour vous-même. Donc, on va introduire tout. Et puis okay. Expliquer aux participants qui ont utilisé chat, du moins interprétation. N'a que besoin. Next slide. Next. Yep, say it in English. Okay, yes, next slide, please. Okay. Next one. Yes, no, this one. Thank you. Je me dis là, on peut checker en bas, côté qui gagne globe là, pour capoter et pour choisir l'angle que vous voulez tendre. Et si vous pas ouais, icône pour l'angle là, et peut-être qu'on pas faire une mise à jour ou pas update et computer pour l'angle. Donc, vous pouvez aller dans zoom.us/download et pour cap faire ça. Next, please. Okay. Moi, je voulais dire l'autre fois encore bienvenue à tout le monde qui est venu pour participer dans la conversation ça et côté que la communauté haïtienne est réunie pour nous parler sur la façon que nous avons repensé et apprentissage dans deux langues. Et j'aime te dire avant, non pas c'est Bodi au missile et moi-même a présidé la rencontre ça aujourd'hui. Et après-midi, ça va plutôt, pour côté que nous gagnons, ou du moins nous gagnons aide, support, plusieurs autres collègues et qui sont dans l'école publique Boston, comme Daphné Germain, et qui est directeur et programme et planification et également et application. Et nous gagnons également Dr. Sylvia Romeo Johnson, qui est assistant superintendant dans l'office pour élèves capables d'apprendre anglais. Nous avons également support et l'autre collègue qui est dans l'office élève capable d'apprendre anglais et puis et communauté ou du moins community engagement team équipe engagement communautaire qui est là également avec nous. Raison. Are we supposed to be getting English simultaneous at this point or? Yes. Can you yes. Click at the bottom right on the globe where it says interpretation and choose English? Yes, I did. Okay. So, I don't mean to interrupt. If that should be working, it's not for me, but maybe it's working for others, and I don't need to interrupt your meeting. Go ahead. Bye. No, it's okay. Moise, you should be in the Haitian Creole room interpreting into English. Yeah. You should be speaking in English. And John can click the Haitian room, yeah. Is that okay now, John, Mr. John? No. I can hear you. Okay, sounds good. Is that Moise? I'm hearing you. I didn't hear the interpreter yet. Okay. But seriously, if it's working for other people, that's fine. I don't need to interrupt your meeting. This is, I'm learning. Sure. We're going to keep working on it, John. Thank you so much. Okay. John, pas autant d'aime bien. Raison, objectif rencontre-là à ce moment, c'est pour partager avec vous et brièvement quelques mises à jour et, qui faites et autour de programme bilingue créole haïtien et côté que vous avez gagné pour apprendre un peu de processus-là et vous avez gagné pour partager avec vous aujourd'hui également quelques informations sur feuille de route pour bon genre qualité éducation pour apprentissage et dans plusieurs langues. Et je dis, rencontre ça, c'est pour partager, et, ou du moins, rencontre, je dis, il fait partie d'une série de plus gros rencontres, côté que, et il y a un peu d'efforts qu'on a fait pour commencer à réimaginer ou bien repenser et office élève capable d'apprendre anglais. Dans l'agenda, je dis,
nous pourrons attendre brièvement et quelques informations, quelques mises à jour sur le programme bilingue en créole haïtien et qui va suivre plutôt par une présentation sur feuille de route, ça que nous parlons de Lyon, directive sur bonne qualité d'éducation dans plusieurs langues. Et puis, nous allons gagner et moun qui dans le panel là pour une discussion, brasser l'idée et sur l'opportunité, côté que quelques questions et commentaires qui va faire, que tout le monde va gagner une chance de participer dans, pour poser questions et puis faire commentaires. Slide 4, please. Quelques règlements pour aujourd'hui hein, et pour permettre que nous cap tout baga cap dérouler bien. Nous commençons à l'heure, nous voulons finir à l'heure pour respecter le temps et nous, pour montrer que je nous apprécie que vous faites sacrifice pour cap là aujourd'hui hein. Et rencontre ça à enregistrer pour servir comme et un document pour l'autre monde qui n'a pas eu la chance de participer, qui a retourné pour qu'il ait délai et pour qu'il également apprendre et participer dans le travail. Ça. Et façon nous venons dans la rencontre là, et je nous voulais garder les, c'est pour nous être présents et tout le monde qui a participé, et respect pour l'un l'autre, et pour nous être développer tolérance. Et puis, conscient de la présence de l'autre monde, engagé également dans le travail qu'a fait là. Slide 5, please. Dans face à nous, nous voulons passer maillet par collègue Daphné Germain, qui est directrice, office élève capable d'apprendre anglais, et du moins programme planification. Programme yo dans office élève capable en anglais avec vous même et dans moment ça Daphné Germain m'a contendez moi m'a passé ma à Daphné Germain et dans moment ça nous dis merci Bodie Omissil pour et ben entrant ça pour moment ça que nous va passer ensemble dans une conversation si intéressant en faveur de un changement qui a fait dans et Boston Public Schools en support de ti moun kap aprann anglais. Et pour moi-même, dans le moment ça, ça moi a bah yon annonce ou bien yon bref et aujourd'hui c'est que nous connaissons la communauté hein, que Boston Public Schools a lancé et Académie Toussaint d'Ouverture qui est située dans Manhattan là. Côté nous avons directeur Walter Henderson et puis assistant directeur Joël Gamer. Et nous devons connaître que le programme ça continuellement a avancé. Et l'année prochaine, que vous pouvez ajouter en classe deuxième année et pour Timounio, et que nous continuellement avancer pour nous capables d'assurer que le programme est jam et li capable toujours disponible pour Timounio. Et enregistration ouvre kounye là pour Timoun que vous avez en classe primaire qui t'a remé et participer dans le programme ça. Deuxième annonce, c'est que dans le chat, nous mettons information et sous PowerPoint, ça nous mettons dans le chat. Côté que vous avez dit site Internet, nous lançons un site, côté que nous mettons en bref histoire de qui Jean et programme Toussaint Louverture Academy ont été lancé. Vous avez une vidéo de programme et interview. Ou abjouen et information de gens que nous t'ai fait commencer. Et tout ça, c'est un bagage à faire en façon que pour l'être arrivé, pour l'autre génération à venir, il est capable de tout travail qui t'est fait pour assurer que la communauté haïtienne à Boston t'ait quitté un legacy en faveur de eux-mêmes et la génération qui a suivi. Next. Kounye là nous parlons entrer dans la deuxième partie de et rencontre ça à soir. Et gens que nous et Bodhi te mettez les préparer conversation pour nous, c'est que office côté ti mon pas anglais a passé un changement profond. Et dans des années suivantes, nous avons que institution était uniquement en anglais et ça a poussé ces petits mon apprendre anglais.
mais avec un nouveau loi qui était passé en 2018 et que yo bay plus option à communauté bilingue et communauté team capable apprendre anglais yo pour nous capable apprécier et cultiver langue native natale là. Et kounye la Boston Public Schools li jwenn technique dans un moment unique et que li gen opportunité pour capable réimaginer, refasionner la façon que nous baissons service à élèves. Et nous t'aimer engager ou même comme et membre communautaire, professeur, parent pour nous capable connait de ou même qui ça que ou t'aimer ouais qui est dans système là que ou connaît que continuellement supporter pas seulement que si mon a pas apprendre anglais parce que ça son travail que nous pas suspendre faire mais dans quelle façon encore nous capable ajouter des ressources des opportunités pour nous assurer que timonio aussi kembe langue native natale. Next. Bénéfice qui gagne un timon ou bien un adulte les yo gagne capacité pour parler deux langues. Recherche l'a montré que programme qui institué côté timon apprendre deux langues c'est lui-même qui plus bénéficiaire pour un timon qui a pas apprendre anglais comme deuxième langue. Là ou gardé dans slide là où est que gagnon graphe qui montre qui gagne des plusieurs lignes mais ligne que moi voulais que ou et prêter attention là dans ces lignes mauves là qui sur tête net là. Ça c'est recherche que yo fait côté yo gardé des plusieurs programmes nationaux côté timon ni capable apprendre anglais comme deuxième langue mais qui gon en langage natif natal y a regardé dans qui façon que yo performé académiquement dans différentes qualités programmes qui disponible pour timon sa yo. Et puis ça yo joine que programme que nous fait dans Boston Public Schools dans ta cour ESL côté un professeur entré et puis li bay et développement anglais hein, spécifiquement pour compte li et c'est lui même qui est à niveau bas mais là nous développer un programme côté que ouais si mon a apprendre deux langues ou gen un professeur qui parle langue native natale là ou gen ressources pour si mon en langage maternel li yo ouais que ce programme ça yo c'est lui même qui pas seulement aide si mon a apprendre anglais puis bien mais là aussi si mon a performer dans l'autre endroit académique que c'est là où est que timon n'a pas gagné on gâchette entre un timon qui parlait anglais naturel avec un timon qui apprendre anglais et comme deuxième langue et aussi gain l'autre bénéfice gain bénéfice social pour timon spécialement leur garder connexion avec communauté li non timon capable kembe langage li capable et communiquer avec maman papa grand-ni dans toute information sociale et familiale que timon est capable retenu mais aussi nous est que n'a plus devant préparation pour futur que côté monde là pour aller nous besoin et monde là à chercher monde qui a capacité pour parler deux langues parce que capacité mentale pour capable et transitionner entre une langue à une autre skills ça que timon a développé son bagage que li capable utiliser pas seulement les chita les la parler de langue là mais les chita dans office et puis besoin et connecter deux bagages différents ça veut dire que li gantan développer skills ça nécessaire pour li capable et faire transition ce c'est pas seulement langage là cap développer dans timon mais skills cognitive la façon que timon a raisonner aussi à augmenter dans un programme comme ça. Next. So, à travers mois mars et mois avril, nous lancer conversation ça, on a fait avec toute et communauté et bilingue dans Boston avec chinois, avec Cabo Verdean, avec et communauté espagnole là et pour nous capable faire connaître mais ça qui devant yo mais on opportunité à travers et conversation yo nous voulait identifier partner moun que nous capable collaborer ensemble pour aider nous supporter et grandir programme yo et nous a toujours cherché et partner cap supporter nous
pas seulement pour nous développer le programme, mais pour capable kembe au niveau de contrôle pour assurer que travail ça a fait. Nous voulons former un comité directeur qui va supporter et office côté Timon a pas prendre anglais yo, pour nous capable assurer que service que nous digital balan oui nous faire provision nous mettre ressources disponibles pour bail service ça. Et dans fin mois mai nous va présenter à School Comedia et communauté qui gouverne Boston Public Schools là un produit côté que nous va by plan. Et dans plan ça nous voulait inclure la dernière c'est toute qualité de feedback que communauté a ba nous et recommandations que ou ba nous à soyan c'est bagage ça nous ta remet intégrer dans plan pour nous capable changer ça qui et changer système là dans une façon nouveau. Next. Na, nous connaissons que l'éducation bilingue, naturellement, c'est une affaire politique parce que li concerne les relations pouvoir entre groupe dominant et groupe qui en bas domination. Programme efficace contre pratique raciste a joint résistance dans un groupe dominant malgré ses preuves qui sont dans la recherche qui a indiqué. Parce que yo menacé pouvoir que groupe dominant gagne nan men. Nan slide sa, sa son recherche qui te fait nan 1986 qui dit comme ça que nan travail sa que nous lancer pour nous faire pour nous assurer que ti moun yo kembe langue maternelle yo que c'est pas tout moun kap d'accord pour nous capable faire travail ça parce que son bagage politique lié. Moun ki gen pouvoir vlo ou même parler langage parle. Mais ça n'a demandé pour communauté se mettre ensemble avec nous pour nous capables d'assurer que le système Boston Public Schools mette à pied ressources nécessaires pour travailler ça capable de faire. Next slide. So, dans ce moment, ça, moi, j'ai un privilège pour me capable d'introduire trois gros pieds mitants, poteaux mitants dans la communauté. Hein? Et côté nous pourrons faire une conversation ensemble avec vous. C'est un privilège pour moi-même capable d'introduire et si nous capable et suspendre et stop slide into, slide presentation please. Introduire trois et individuels. Premièrement, c'est Dr. Lunine Pierre Jérôme qui c'est un potomitan dans la communauté haïtienne dans Boston et à travers Massachusetts qui c'est une femme vaillante pour le langage créole, un professeur, ancien professeur dans Boston Public Schools, là, et aussi un professeur dans le niveau collège, et qui continue, et un linguiste qui toujours a fait développer et ressources académiques dans le langage créole. Là. Lune, nous sommes capables de vous aimer pour vous capables de voir. Deuxièmement, avec nous, nous gagnons Reverend Dieufort Fleurissin, qui est un autre potomitan dans la communauté, hein, et qui là, qui toujours répond à appel, et c'est une membre et communauté hein, qui a supporté le lancement et programme double langue dans Madahan, hein, to Saint Liberty Academy. Et troisième, nous gagnons ensemble avec nous et professeur. Et Priscilla Joseph, qui c'est un professeur fondatrice programme bilingue dans Madahan Toussaint Louverture Academy. Ensemble, nous va faire un petit causé côté nous pral parler. Yo même yo va exprimer tête yo va introduire tête et yo va exprimer tête selon trois questions que nous t'ai posé yo. Et puis là, nous finissons faire question et Bodhi va commencer et va ouvrir maintenant pour nous capables faire une conversation communautaire. So, nous allons commencer ensemble avec Dr. Lunine Pierre-Jérôme. Question, moi, t'as aimé Baou comme un professeur et qui a expérience et qui a un impact positif selon expérience par et qui ça ou t'a remet partager à communauté que et ressources que ou bien et impact positif qui gagne dans langue l'on ti moun parler de langue
et bénéficie spécialement pour une génération haïtienne pour yo Québec créole là. M'a pour façonner question dans façon ça. Et mettre ça me donne une question. Dr. Piaget. Oui, alors moi-même question me telle a été très différent de ça dire. Mais cependant, juste avant de commencer, de bien m'a dit toute communauté haïtienne nan, et toutes leurs amis qui là, m'a dit bonsoir, m'a dit honneur et respect tout le monde pour effort ça nous fait. Ensuite, m'a dit comme ça que moi pas en linguiste, moi fais linguistique appliquée. Ça veut dire que moi garder travail linguistique fait et puis mettre en application. Ou m'utiliser yo, critiquer yo, analyser yo, mais c'est pas moi-même qui développer yo. J'aimerais comme une question, hein? C'était qui aspect positif dans un programme pour ti moun qui parle en deuxième langue d'après expérience pas moi. Oui. Alors pour mettre li dans contexte, moi j'ai commencé dans Boston Public School dans années 90, même j'ai commencé comme un professeur en technologie. Moi et puis après ça, moi vinn changer puis devant 2 ans plus tard, moi vinn changer, moi rentrer dans programme bilingue là. Et puis moi commencer fonctionner avec élève bilingue dans l'école moyenne, dans 6e, 7e avec 8e. Côté enseigner tout, presque toute qualité matériaux. Ensuite, moi traversé, après ça, moi vinn un spécialiste dans développement, dans alphabétisation li à écrit, mais c'est pour tout monde qui gen lacune dans langue yo, ou bien te gen lacune ou état académique qui pas permet yo fonctionner bien. Et puis après ça, moi vinn administrateur programme tout monde qui gen lacune, qui gen ou bien qui gen éducation limitée. Après ça, je suis assistant principal. Donc, l'MT spécialiste en. Alors, l'MT directeur programme SAIFLAN, pour m'établir, je suis obligé de visiter à cette époque 140 l'école. Donc, je suis visité 3 fois pendant l'année. Ça a fait permettre de gagner une perspective sur l'école en général, avec sur l'école qui a servi à Timoun comme deuxième langue. Il y a plusieurs catégories l'école pour tout le monde ça yo et sans pas négatif à soi du tout, mais m'a parlé de aspect positif que moi ouais dans quelques l'école. Et si nous cap permettre moi citer une l'école qui servit tout le monde de langue qui te gon réputation et me visiter l'école ça tout plusieurs fois, c'est un aspect très positif, c'est que yo valoriser langue yo. Ça veut dire que ce n'est pas comparer dans l'école en anglais seulement, ou jeune tous les deux langues, et c'était l'école qui est Hernandez School. Qui, par contre, s'il constate toujours, mais cependant, valoriser langue timounio, pas grand langue qui pire au passé l'autre, bah, timounio ont certaines motivations pour fonctionner plus bien. Ensuite, mais l'école fonctionnait bien à partir de Lidl. Parce que pas aucun petit monde qui fait tout connait même si ou t'es un antigénie. Donc si leader a valorisé élève yo, li valorisé langue yo, li valorisé communauté yo, li valorisé yo pour moun yo ye a, l'école là tout simplement a bail progrès, a fait progrès et rendement yo a très bien parce que ti moun yo a bon yo pas peur voy yo pas en silence, yo gagnent yon certain motivation pour yo apprendre parce que yo welcome yo. Ça c'est aspect positif moi ouais. Et t'as le à nous t'as parlé moi dis nous t'es là c'était on l'autre. Leur entrée pour Timon haïtien, l'école ça n'entend passé t'es tellement gon réputation parce que et faut me dire li t'es gagné en classe avancée la donne. Moi apprendre récemment que pas gagné en salle de classe programme avancé pour Timonio, me pensais que ça c'est réduit sous capacité ou bien habilité Timonio pour faire progrès. Tout Timon besoin mais gagne qu'aller plus vite, gagne qu'aller plus lent. Jean nous capable bail service pour éducation spéciale, c'est même gens tout Timon capable avancer plus devant yo ta gain. C'est pas une question de
tout petit monde sous même plan d'égalité parce que c'est pas vrai. Jean Anglais a dit là, one size does not fit all. Donc, c'est qualité leader ça yo que nous besoin dans l'école yo. Et puis, yon l'autre bagarre encore que moi manqué, l'école ou bien professeur ou du moins communauté qui mettait en attente très haut sous timounio fonctionner suivant attente là. Ça en anglais c'est ça really high expectations. M'pense que l'école qui bail progrès ça moi qui positif yo, oui c'est vrai, yo exigence là très haut. C'est pas parce qu'on ti moun pa konn li a konn écrit qui fait ti moun n'a pas ka réfléchir, qui fait que li pa ka faire analyse. Li gen doit faire li à l'oral, c'est nous-mêmes responsabilité nous pour nous montrer au écrit. L'école gen de l'école bilingue moi connais chaque mois par exemple Téloa c'est yon là-dedans yo qui té exiger on attente qui très haut premièrement mais deuxièmement il faut que ti moun faut nous te rendre compte faut te bay compte rendu de qui ça t'a passé dans l'école là et question publier travail que ti moun yo fait chaque mois et c'est là où inviter communauté avec parents yo donc parents yo vinn censé faire partie intégrale de ça qui a passé dans l'école là puisque chaque mois yo obligé vinn ouais présentation petite yo et ça tout est augmenté capacité académique ti moun yo ni nan li ni nan écrit parce que yo gen yon raison pou yo enfin on travaille puisque yo connaît toute une communauté pral vinn gade yo. Donc nous di yo premièrement c'est fòk gòn bon leader, deuxièmement fòk ti moun yo gen voix kote yo valorize lang yo mais valorize culture yo tout. Ça veut dire lò rentre non l'école ki genyen plusieurs langues fòk ta wè plusieurs langues sa yo. Yo non seulement reconnaître yo mais on connaît l'école ça son l'école qui recevoit immigrants qui recevoit ti moun qui parle en deuxième langue c'est pas mandé pour apprendre donc dans l'école yo leur ouais toute langue ça yo valoriser en mais culture ti moun nan tout valoriser et c'est pas chaque Saint-Sylvestre y a célébré culture ça célébré chaque jour dans tout aspect instruction dans tout aspect fonctionnement l'école là dans tout aspect règlement l'école là ça c'est un autre aspect positif que moi dans pile l'école qui bail succès non après ça nous gagner puisque me parler de communauté à Dr. Pierre Jérôme one more minute OK 60 seconds OK all right donc moi bam faire ça m'a récapituler moi parler de communauté moi parler de importance son bon leader moi parler de règlement qu'a prend en dedans l'école yo il faut que règlement ça équitable ça veut dire pas favoriser un groupe à son l'autre nous toutes là qui haïtien nous connaît qui réputation en 90 yo qui t'ai gagné tellement était bataillien donc et pas de gain trop bagaille qui t'ai fait mais leur valoriser tout petit monde nous mettre sous même pied d'égalité ou garder un besoin spécifique yo besoin langue besoin académique etc. mais ou bayo opportunité pour tout monde gain accès ça tout son leur aspect positif moi parler de importance pour l'école là non seulement recevoir ti moun yo doit gagner règlement spécifique qui j'en recevront ti moun qui fait vinn dans pays parce que gain question de culture choc nous vle épargner ça puisque c'est 60 secondes te ban moins bon me dit en gros me passer 2 minutes pas assez mais cependant me passer que me ba quelques idées qui ca permettre nous développer ou bien établir en l'école qui puis jump. Oh, nous merci Dr. Pierre Jérôme pour toute information ça yo. Et nous passer à et Reverend et Floristin et comme yon parent qui était dans Boston Public Schools ou gen timoun qui passe dans Boston Public Schools et yon leader qui fait un pile travail dans communauté hein, nous voyons que Dr. Pierre Jérôme li ba nous on des belles points de bagage pour nous considérer ou même dans expérience pa ou qui sorte ouais qui était bien travail dans Boston Public Schools on t'aimer que qui rete mais aussi qui côté t'aimer ouais des changements. Merci en pile Daphné, merci Dr. Lenin et je voulais saluer toutes leaders communautaires qui là moi
Bien content du fait que nous tous réunis, nous voyons bon Dieu gloire malgré la pandémie qui vient bien nous vivants. Alors, ça, c'est une victoire que nous gagnons. Nous continuons et maintenant tout ça qui est nécessaire pour nous faire avancer la communauté. Alors, je me dis que ce n'est pas mon travail qui fait avec Consoeur Green Leader, parce que nous faisons partie de l'association parents et nous sommes connectés non seulement entre nous qui sommes membres de l'association, mais nous connecter avec l'autre secteur qui est dans la communauté. Organisation qui travaille avec parents et qui a aidé Timoun déjà, et qui permet que nous capables et des moyens pour nous capables réaliser un plan qui est extrêmement important, à savoir établir, nous capables établir programmes à aider Boston Public School avec volonté que vous avez gagné pour permettre que le travail soit capable de faire. Alors, je voulais vous donner un coup de chapeau, bah, c'est bien malheureux, et Irlande pas là, et Junior Bisret pas là aussi, parce que Irlande, c'est le premier parent qui a un petit lit qui enroulé dans l'enseignement en double langue. Pour les bagages que m'a dit, c'est pour un programme qu'on soit capable d'établir, il faut que les deux communautés ou bien capable d'avoir accès avec département qui existe. OK. Leader communautaire, c'est l'organisation qui là qui défend droit timoun ou bien qui établit connexion entre parents et élèves et l'école là, faut que le capable gain accès avec un département qui établit. Alors, l'homme veut dire accès moi son j'ai en 2015. Lorsque nous avons un nouveau superintendant, Dr. Cheng, il a établi l'Office de Dual Language Programme. Il a rencontré avec, nous avons accès, il a eu accès avec le directeur, qui c'est Carenza, nous avons accès avec lui-même. Sur le fait que nous avons accès avec lui-même, nous avons eu l'opportunité d'articuler même besoin communautaire sous aspect ça, parce que nous avons association parents depuis 25 ans avec éducateur docteur Pierre Jérôme c'est une harmonie qui travaille avec administration depuis 25 ans pour un qui moyen que y ont tel programme tu es capable de créer et ceci lorsque administration a voulu créer programme ça était le Haitian French so yeah Creole French. Alors, il te demande un pile rencontre pour te expliquer. French, c'est une langue. Créole, c'est une langue. Ce qui implique, c'est une grosse lutte avec eux pour être capable d'établir ça pour nous-mêmes. Même Jean, Dr. Jérôme fait qu'on est que 96%, donc à 100% haïtiens parlent créole. Très important. Sauf qu'il y a 4 à 5% qui parlent français. Alors, de ce fait, nous t'as obligé à lutter pour nous permettre que ça fait, mais pas pour contre nous, comme nous dit, nous obligés de connecter avec organisation déjà qui là qui travaille avec communauté haïtienne pour nous intégrer déjà et nous connaissons qui travaille déjà, ça permet que combinaison ça que nous fait, organisons série de assemblées parce que d'avoir débuté avec nous tous et nous choisis il y a une série de places que nous connaissons qui fréquentent, à Dolce Center, rencontrer avec eux, en bas, l'église, rencontrer avec eux-mêmes. Nous organisons aussi réunions avec parents dans l'heure que nous connaissons qui sont disponibles pour eux-mêmes et nous faire le nécessaire pour nous être capables de rencontrer avec des experts académiques que nous sommes capables d'identifier, qui sont capables de permettre, qui sont capables de parler pour nous-mêmes dans un niveau qui est plus élevé avec l'administration. Qui bénéficient que et petite nous comme haïtiens à bénéficier et puis comment que nous pourrons embrasser culture nous qui est extrêmement important embrasser aussi toute diversité que nous gagnons comme groupe ethnique dans pays pas bon ici nous disons que ça c'est un déficit que le pays pour nous-mêmes nous considérer comme troisième groupe ethnique dans le canton hein, et tandis que nous pas même bien yon l'école que nous capable dit qui enseigner en double langue avec langue que ti moun nou yo ta dwe apprendre nous même parents nous wè ki problème ça ba nous
pour nous réfléchir dans la langue et puis pour nous écrire dans l'autre langue. Alors, c'est difficile de ça que nous apprenons en français. Et lorsque nous avons essayé réellement réfléchir et écrit pour nous capables de tout faire dissertation, nous avons obligé à réfléchir en créole et pour nous mettre en français. Nous comprenons que c'est le même problème ça qui va le gagner. Et ceci, ça permet que nous ne sommes pas capables réellement de gagner équité et d'égalité que nous sommes capables de gagner. Ça me l'a dit en résumé, c'est parce que nous avons accès avec l'administration hein, qui est rendu possible pour nous-mêmes. Et deuxième aspect que nous avons besoin de gagner, il faut gagner des ressources. Parce que pour créer tel programme comme ça, il faut permettre que des professeurs haïtiens et que ont embauché. Deuxièmement, il faut gagner une série d'éducation qui doit être faite pour les professeurs Sayo, pour capable de faire les ressources nécessaires pour continuer et faire travail ça. Et puis, ça nous a relé de longévité aussi de programme. Non? C'est un programme que nous gagnons en seule année et puis qui n'est pas capable de continuer augmenter par rapport avec classe. Nous sommes bien contents que le décor commence à la base en moyen de jardin d'enfants, kindergarten, et vous êtes capable de permettre que nous arrivions quand nous devons arriver. So, à cause de toute nous capable de promotion qui est faite au niveau communauté, en ce sens que aller dans la radio haïtien, aller dans la télévision haïtien, venir avec experts haïtiens dans la langue, et puis de qui expliquer bénéfices que l'enseignement double a li gagné. Et l'autre opportunité que nous avons gagné, c'est une opportunité pour nous voyager aussi en Haïti, pour nous être capables de rencontrer avec experts en Haïti, de qui défis que vous rencontrez lorsque vous avez implémenté le créole là. Mais voyager aussi, aller dans Matenois, dans une zone très reculée, la Godave, pour nous dire l'école Matenois qui était établie et supportée par MIT avec un docteur de Graff. Comment que depuis petit monde, tout petit, il a commencé avec langue créole là et qui succès que petit monde a gagné, il a écrit le livre normalement parce qu'il a vivre dans l'environnement, il comprend l'environnement, il comprend la culture. Et ça te permet que nous-mêmes, nous te rencontrions avec plusieurs experts pour nous être capables de retourner encore, pour continuer à demander pour le programme ça a continué. Et jusqu'ici, que nous sommes en deuxième année. Alors, objectif, nous, comme Ligue Cap travaille pour ça, c'est que pour nous, l'école, ça a ouvert dans tout district et permet que nous ayons plus de groupes ethniques qui participent pour apprendre la culture nous et apprendre l'histoire nous. Et puis, pour tout le monde, nous sommes capables de mieux performer dans la société. Thank you, Dr. Oh, Reverend Florissant. Merci beaucoup, Pasteur. Et dans le moment, ça, nous avons avec nous Priscilla Joseph, qui est professeur et qui était là dans la fondation programme, et qui fait 3 ans qu'il a enseigné. Et Priscilla, nous avons vraiment entendu nous-mêmes. Et de l'expérience par bénéfice que vous avez pour Timounio dans le programme. Non? Et qui ça, comme un professeur ou même ou capable de dire à la communauté apparente et aussi à Boston Public Schools, non? De qui ça, qui ressource ou t'as remis ouais, nous assurer mise en place pour assurer succès au programme. Ça. Bonjour tout le monde, content ouais, tout le monde. C'est moi-même qui m'appelle Joseph. Ça moi avec Timon, moi en pile belle bagarre avec Timon. C'est pas juste Timon haïtien, il y a Timon qui parle anglais, il y a Timon qui québécois, il y a Timon qui parle espagnol. So Timon yo senti yo fier de peut-être yo connaît 2 langues. Nous toujours dit Timon yo, ou pas apprendre un bagarre, ou pas apprendre 2 fois. Kounya les Timon yo tande ça, Timon yo vraiment yo tellement content, yo toujours voulait apprendre. Là, yo fier comme ça des cultures haïtiennes, au petit monde qui pas même haïtien, il a pas apprendre des cultures haïtiennes. Yo tellement remet apprendre. Les petit monde remet venir l'école, les remet pour temps de toute histoire, pour chanter, pour lire. Pas besoin petit monde apprendre plus vite. So nous joignons pile tout monde qui yo sensé yo con toute lecture, yo con lire, yo lit pas. Il est facile parce que on connaît l'alphabet assez phonétique. Donc nous jouons pile petit monde tant que yo li plus facile dans dans classe. On autre bain ouais ce petit monde yo remet tant des histoires de Haïti. Yo pile petit monde qui pas même connaît de Haïti, mais c'est eux même qui dit famille
et on même a dit tout zanmi ou de tout bagay qui passe à Haïti. Et puis après explique tout bagay puis il faut qu'on ait tout bagay net. Si on bagay moi mais ouais les on fait ça parce qu'il a dit même connait comme ça lié. Il sensé like yo tellement fier des têtes choses, yo tellement fier de Haïti. Et puis yo voulait tout monde comme ça. Le comme ça si moun apprend plus vite. Même là n'a pas apprendre anglais. Ou après ti moun yo a parlé tous les deux langues. Il y a moun ki pense les ti moun yo vinn nan classe là. Oh, c'est créole. Non, ti moun yo parle tous les deux langues et puis yo connaît ki langue pou yo parler. Yo connaît si ou parle créole avant, y a parlé créole. Yo connaît si c'est parlé anglais, y a parlé anglais. Ti moun yo tellement mouton, yo tellement intelligent, moi obligé di ah nou ka bayo toujours. Nou ka bayo toujours parce que ti moun yo tellement comprendre. Jean yo développé langue là. Tout moun tap saisi pou wè ki sa ti moun sa yo fè. On lot ba mwen ti moun yo fè, pa plus ti moun yo fami yo. Nou gen sens fami nan program. Tout ti moun yo konnen, paske gen pil la dan yo pase nan klas mwen, yo konnen tout lot profese yo, epi fami yo konnen yo ka pala avèn. Se pa yo pa pè, nou konnen nou konpran yo, nou konnen ki situasyon yo ye, yo konnen gen kote nou ka sipote yo. Parfois nous ka joine moun ki pa vle yo, yo konnen ti jan. Pèt kou yo apon konnen nou. Konya yo pa gen problème avec nous. Nous toujours wè tout fami yo li sensé son sens te fami nou tourner nan programme. Même ti moun ki nan deuxième année, fami yo wè mon mi Joseph ki jan yo on change yo. Mwen mè ça. Mwen ta remè pou plis moun ki ta met plis tête ensemble avec programme ça pou yo ka vraiment wè ki jan programme nan marché. Parce que ti moun sa yo, y a fòm bagay. Yon pil moun ki ta sezi pou yo wè pou wè ti moun ka pe kri nan kreyo. Mwen kon ti moun kon yon nan klas mwen la, ti moun nan ba mèm Haïtien. But nan pa le kreyo la net pou, mwen obije dil, yon nan bal mino Haïti. Telman li pa le kreyo, le misye se li kevredyen li ye. Mwen kon yon, pou tek li getan gen lot nan, kon yon li pon 3 lan. En len li pon tout fasil. So gen pil moun ki ba kompon, let ti moun nan kon 2 lan, ti moun nan devlope plus. Ni facile et puis ti moun yo gen en maturité donc on bat kon wè avant ça m'te kon travay avec ti moun ki te kon SCI ti moun ki fait sorti non l'autre pays et puis m'te wè yo te gen ti problème lè ou vini yo pat vle apprendre yo pat vle parler anglais yo te pè but nan classe ça mwen tout ba différent avant ti moun yo te pran pile temps envo yo parler donc donc les ti moun yo vini yo get culture shock yo pa vle parler yo pa konprann lang nan but nan klas nou wè ti moun yo pale pi vit ye ti moun premye ba y ap di nou c'est mwen vle ale nan toilet yo toujours premye mo yo toujours di nan anglais nan créole pou pa wè m toujours di ti moun yo même si ou pale tèt en bas ou met pale jon capable m'ap ede ou kounya ti moun nan sens yo OK li met essayer avec langage la. C'est pour nous faire tout ti moun yo essayer parce que li aider tout langue ça ti moun yo ka apprendre. So ça c'est un peu ba m'te kon wè ti moun yo fait but wè ti moun yo tellement a parler plus vite moi obligé di oui OK ki sa m'a ba yo konya OK ti moun sa konn ça déjà ki sa m'ka ba yo toujours nous toujours pousser yo pi wo parce que nous vle tout ti moun nou yo tout ti moun net puis yo ka fè tout bay yo si vous avez fait pour le yo ale non lot ane yo konnen tout bay déjà vous avez fait so moi même ta remè pour te mande ki sa nou ta bezwen ankon pou klas la mais même ta remè pour plus moun pour vraiment garder programme comprendre programme yon pile moun ki pense créole la pa bon nou pa supposé penser créole la pa bon m'ap di nou ça. Moi fait ici, me fait Boston, créole là c'est deuxième langue. Il y a un peu de monde qui dit pour qui ça ou choisi pour enseigner en classe dans créole et puis ou pas même fait Haïti. Moi toujours dis ça son exemple qui ça créole là qu'a fait pour un petit monde. C'est un exemple pour tout petit monde là on parler en l'autre langue, il ca aider au pied devant. So ça son bagage me développer tout monde pour connait parce que nous là pour famille, nous là pour aider tout le monde. Nos communautés parce que si nous pas aider nous si nous pas faire ça ensemble et pas bon pour nous OK but nous t'a besoin l'autre bagage oui nous t'a besoin encore nous t'a voulu pour toute classe pour gagner toute bagaille
l'autre classe qui est dans l'entaille. Son bail vraiment t'aimer ouais parce que quand il y a aller ça tellement gain en pile je n'ai pensé classe la différent tout bail son technologie on livre et puis nous pas gagner en créole. So ça fait mal en pile pour moi qui j'aime caille monter timonio quand nous obligé à faire un gens n'a traduit mon obligé m'a faire activité dans technologie qui relait si ça pour timonio ka gagner en bagage pour qu'attendre créole n'a chercher vidéo n'a chercher son pour ti moun yo ka tan de créole la parce que gen ti moun ki pa parle créole la ka yo pa blie et ti moun ki pa haïtien nta vraiment vle wè tout ba sa nan classe plus livre pour ti moun yo ka ale livre yo ka ale la ka yo tourner nta reme yo wè application yo ka jouer la dan test tout ba sa yo nta bon pour ti moun yo parce que le yo kite classe la est-ce que yo tan de créole la ka yo et ba tout moun ki parle créole avec ti moun yo. So, ça c'est un peu de classe des classes là, m'a pris pas trop de temps. Awesome. Oh, Monsieur Joseph Nunzu, merci pour belle et information que vous avez de qui je t'imagine à développer en de programme, dans bénéfice programme là. Et aussi que, et comme une communauté qui j'ai besoin de bon boussole pour assurer que écrivain qui de yo, monde qui fait et tap YouTube et chat channel pour Timon yo que gen opportunité pour yo même tout yo développer plus produit parce que gen yon génération qui veut consommer produit ça yo en créole. Nan moment ça moi a fait une petite traduction. I'm going to switch to English for a quick second. I wanted to make sure that I had the opportunity to introduce Dr. Sylvia Romero Johnson. Dr. Sylvia Romero-Johnson, c'est lui-même qui est intendant nouveau dans l'office côté de Timon apprendre anglais, c'est lui-même qui bosse moi et lui-même qui vient avec une vision nouveau et qui gagne en pile opportunité là-dedans. She has come with a new vision that has a lot of opportunities for us as a community. So would love to introduce Dr. Sylvia Romero-Johnson for her to be able to say hello to the Haitian community. I will translate for her after she's done. Good evening, everyone. Thank you so much for being here. I can understand a little bit of what you're saying. I'm transferring my very, very beginner's French and can guess some of that from my Spanish as well. So multilingualism rules. And I am so excited for the Haitian community in Boston. We want to work with you. I want to work with all of you and want to ensure that you know what we're doing at the district level and to get your feedback. The district and the community has had to do the work under a monolingual law for many, many years. But now the context has changed and we have an opportunity to move in a different direction. So my hope is to support all of you and I'm hoping you will in turn connect with us and just stay connected, keep us accountable that we can move in this direction of more languages for our children. So Dr. Johnson dit que ça que il est bien content que il là ensemble avec nous. Et que ça lie ouais, dans la communauté que nous travaillons en pile, en bas un système côté que c'est anglais qui était promoté, mais en bas nouveau système là, que l'IVE travaille avec un nouveau espoir pour capable apporter un changement. Et il est bien content, il était comprendre, il est un petit français avec espagnol là, pour être capable de faire une connexion. So, il dit oui à tout le monde qui compte plusieurs langues, pas seulement deux langues, mais on compte plusieurs langues, c'est un bénéfice que l'IVE. Et dans le moment ça, nous voyons que y a des gens qui veulent poser des questions. Je vais mettre et placer à M. Omisil qui va conduire nous dans le reste de la conversation. Mais moi, je vais dire un gros merci, un gros chapeau à Dr. Pierre Jérôme, Reverend Kiki Florissant avec Priscilla Joseph qui va nous un avant-goût. Conversation ça a fait avec l'autre communauté yo et pour toute presque pour moi mars avril mai ou après que n'a retourner encore à ou même pour nous ba ou updates pour faut connaître que mais ça nous tendait mais qui je nous interpréter li mais qui côté nous mettre dans plan qui ça que ou même on pensait de ça.
So plus à suivre. Dans le moment ça, nous remets passons à Body Homicide. Merci. Merci, merci, merci. Je pensais que nous apprenons en 5 secondes pour nous respirer et après en pile information ça y est, bien que nous n'avons pas entré dans un moment qui est essentiel, qui est extrêmement important pour nous, côté que vous-même qui êtes parents, vous voyez gagner pour poser des questions. Nous prenons 30 secondes pour nous faire respirer et parce que nous connaissons plus l'information pour nous absorber. Et donc, l'autre fois, ça fait un plaisir. Pendant que nous avons fait l'exercice, ça m'a profité de remercier et présence et directeur et l'école Matarantlan, M. Walter Anderson. Et nous avons avec nous également Dr. Gabo de IFSI, et qui a fait un travail colossal qui sous Blue Island, on dit un nouveau local, c'est extraordinaire. Et nous avons également avec nous Mme Michela Etienne de IOFES, et qui également font un gros travail, qui a un programme parent éducation. Donc, avant de finir là, nous pensons que parents ou qu'il y a plus d'informations, vous allez participer dans un bel programme ça. Et gagner plusieurs autres personnalités. Si vous avez manqué, tous les parents, yo, nous saluons de manière spéciale parce qu'on fait effort pour qu'il y ait. Et tous les leaders de la communauté, hein, à côté de panélistes, qui sont partagés avec nous en pile belle information et interprètent nous qui font un gros travail. Toute équipe, et élèves qui apprennent anglais, hein, équipe et communauté engagement, tout le monde ça y est, mille merci parce que nous là. Donc, pour nous continuer à profiter des belles informations, ça y est, ces témoignages de professeurs, de directeurs de l'école, de leaders de la communauté, hein, dans le cadre du programme bilingue là, qui montre nous l'importance et le timonio parler de langue. Là, apprendre en deux langues qui est importance capitale que ça gagne. Et vous parlez de chance de poser des questions, nous croyons qu'on gagne des questions et nous gagnons un bon 30 minutes pour nous faire ça. Et donc, ou cap gade en bas, côté kowe, en bas, nan écran, côté que marqué participant. Là, à partir de là, ou cap clique, côté kowe non, pour cap lever main. Ça veut dire, c'est pas nan écran, ou lever main, on met ces boutons que ou pesé, soit dans téléphone ou bien dans computer que ou suivre là, pour cap poser question. Donc, gen Linda Michel, déjà, qui est levé main li pour poser question. Donc, nous avons fait ça dans l'ordre, tant pris, et poser question dans une minute. Seconde question. Une minute, tant pis. Donc, nous avons bien Linda en premier, Linda Michel, nous avons fait place avec Dr. Gabo et puis nous avons pris Betty. Tout le monde, on nous fait effort pour nous faire ça dans 30 secondes, une minute maximum pour nous poser des questions, bien fort, commentaires, pour permettre que tout le monde puisse participer aujourd'hui. Linda, place c'est pour vous-même, nous attendez. Merci parce que vous êtes là. Non, moi, c'est Linda Michel, Christella, printemps, maman. Mwen kontan program nan program IFC, an li vraiment bon li bagay ti moun nan, et puis Christella kon li, Christella kon ekri, mwen kontan pil. Et m'ap priye pou bon Dieu béni nou pou program nan kontinye. Question m gen, est-ce que program IFC ap nan lòt zone? Est-ce que li posib pou li nan lòt zone tou? Program ki program ou di? Program IFC, program IFC. Oh, Dr. Gabo. Oh. Yeah. Oui, Dr. Gabo, la fait suite après, on l'a répondu ça pour nous. Merci en pile. C'est qui j'en relais encore, s'il vous plaît? Linda Michel, Christella. Linda Michel, ok, c'est ça. C'est ça, me dit non plusieurs fois. Ok. Donc, merci en pile pour gros témoignage à ça. Donc, Dr. Gabo, nous ne connaissons pas interprète nous là. Moïse, vous pouvez interpréter pour l'autre monde qui est dans l'English room là. Et nous avons accueilli Yves Boudou également de l'école Matarantlan. Dr. Gabo, nous attendons. Ok. Merci en pile et en body et en. Merci à nouveau directeur département pour présence aujourd'hui dans la communauté. Hein. Nous voulons bailler un gros coup de chapeau le fait que nous faisons meeting ça dans la langue créole. Et c'est ça que nous t'invitons en pile parents parce que nous disons aujourd'hui hein, que il n'y a pas besoin de peur parce que le meeting là fait dans la créole, il est capable de venir directement. So, ça, nous avons besoin rapidement dit à tous les leaders qui sont là. Et IFSI, dans le partnership avec Boston Public School, ça nous a l'Académie Accelerator Programme, nan, a ouvrir porte pour un petit monde capable de venir joindre un programme pour que vous capable de bénéficier académiquement. So, nous avons espéré que tout le monde qui l'a capable réellement encourager parents que nous travaillons avec eux, avec Timoun, pour être capable de jouer avec nous dans le programme académique accélérateur ça qui vous permet de jouer nos booster pour que by juin, vous êtes capable d'arriver dans le niveau grade de ta supposée arriver. So, je vais mettre l'information dans le chat. Là.
Donc, façon, capable de jouer ni. Et puis, ça nous voulait dire, c'est qu'au niveau de, on a parlé de, au niveau de langage, de accès à Timounio, il y a une chose qui est importante, c'est la communauté que Timounio a pleuvé. Qui s'agit là-dedans qui peut permettre que les gens jouent dans l'école là, ils jouent aussi dans la communauté. Donc, c'est penser avec l'environnement, avec tout le centre, tout le partenaire, comment est-ce que le travail, ça qu'a fait dans l'école là, capable de renforcer dans différents niveaux. Et constamment penser que nous sommes capables de faire un bon résultat. Je vais écrire un pile, parce que je connais un pile. Qui peut parler. Donc, c'est un grand plaisir, nous content et nous saluer, nous tous qui là. Thank you. Merci, merci, Dr. Gabo. Nous, on a rappelé, Dr. Gabo, c'est directeur de IFSI, une organisation qui fait le travail. C'est un petit monde qui a besoin de programme after school, après l'école, et l'autre programme musique, etc. Et donc, c'est sous Blue Island, les tout prenant ma tape. Bettine, ouais, mais on levé, nous fait place à vous-même. Et puis, nous allons continuer. Nous allons souhaiter que tout le monde qui a un commentaire ou bien qui a une question, pas oublier nos assistants superintendants avec nous. Et nous avons et toute une série de mon leaders au niveau de l'école. Donc, tout dépend de questions que vous avez. Et nous allons va adresser ça. Et le personnel va adresser ça. Nous attendons au Betty. OK. Moi, salut tout panéliste pour belle râler au saut de faire là. Mais moi, j'ai une question. Et m'a profité avant m'aborder des questions et saluer professeur Miss Joseph qui était une professeur qui était aidé pour me faire choix pour petit moi participer dans double langue là parce petit moi premier approche li gen avec l'école aux États-Unis il commençait en anglais. Donc, nous sommes venus dans mi-temps année, nous sommes Floride, nous sommes venus dans mi-temps année en janvier, nous rentrons à Boston. Qui donc, il commençait de août à décembre, qui donc c'est en anglais. Premier rapport d'avoir gagné à l'école aux États-Unis. Je suis venu et pas bon, je connais qui s'acte double angle. Qui donc, Miss Priscilla, tu es une professeur, je suis venu. Qui te dit qui avantage problème de double langue. Première, moi j'ai une grande question, c'est par rapport li pratiquement li en anglais, li li en créole, li écrit en créole. Mais qu'on y a une tendance pour li alors que la caille nous c'est créole nous parler. Pour anglais à emporter sur créole là. Tu as besoin qu'on ait qui ça fait ça. Et puis qui ressources qui gagne pour parents yo capable aider timoun yo pour timoun yo capable pi faire performant et dans langue créole là Jean et Miss Joseph Soudil là manquer ressources mais c'est docteur Gabo dit tout manquer ressources parce que mal dans bibliothèque dans environnement côté nous y a dans matapen nous ont chercher livre créole et deux trois grains en barre dit pour joindre quelques livres créole qui donc si nous besoin pour timoun yo performant effectivement environnement si mon nan supposé gen contenu pour capable pi performant dans langue là. OK merci en pile. Donc n'a passé et quelques questions plus courtes que possible une minute mais nous croyons que docteur Jérôme et Pierre le nain Pierre Jérôme c'est un monde qui meilleur monde qui placé qui t'a capable aider nous répondre question ça. Alors nous pas veut dire là pour ne pas répondre mais nous penser que docteur Jérôme capable aider nous sans ça. Et pour répondre à la question Betty, hein? Et puis si vous avez une question, pas oublier de lever main et dans le bouton côté qui marque participant, nous t'en mettons de tout le monde. Pendant que nous attendons, pas qu'on est comme si nous parlons, docteur Pierre Jérôme. Voilà, oui, nous finissons de parler. Alors, je vais répondre premièrement sous question matérielle. Malgré que capable gon raté de matériel mais ça pas veut dire pas gain du tout nous gagne Educavision qui mettait un bon livre dehors sous pour ti monde capable faire lecture alors c'est sur site internet là pour un monde qui intéressé ta capable aller dans Educavision ou je un bon matériel pour ti monde petit li gagne pour tout niveau oui mais dans cas ça c'est li gagne pour ti monde petit qui bail plusieurs histoires etc. Il y a de l'autre site tout capable de joindre pour permettre si mon a développé langue mais question dominance que parents a parlé hein si mon a développé dominance dans langue anglaise parce que li exposé à cli tout côté donc mais
ça pa vle di ke li pa devlope kapasite. Si l'on program bilingue, ça pa vle di ke li pa pral devlope kapasite nan lan kriol la, puisque li deja konnen deja, et que la pa pran ni toujou la devlope kapasite akademik li nan lan nan. Sa kapab fèt, se ke puisque ou kapab jwen kek ti materyel, menm sou pa jwen an pil, ou kapab toujou kontinye lektu an la kay lan, men pandan ke ou parler ensemble avec Timon, non continuer parler créole là même s'il répond en anglais parce que gagne on l'ode naturel pour qui Timon apprend langue ou li capable dans phase qu'on est là côté li prend tout bagayo dans cerveau li a emmagasiné dans cerveau li et puis après au cas où il explose dans langue nan. Donc pas décourager li continuer parler avec li poser le question et puis quitter le répondre dans n'importe qui langue nan, parce que tout suivant par contre qu'il âge petit toi mais suivant j'en parlais c'est que li non programme côté li toujours en phase de développement la fait de qualité développement là développement naturel en tant que timoun et puis la fait développement sous langage tout et c'est là pas prendre dans deux langues li gen doit pas développer simultanément mais l'a développé quand même avec le temps puisque li non programme double langue. Il y a 7 ans, docteur Jérôme. Là, il pose une question en anglais. Moi, je dis, je ne peux pas répondre tout pendant que je parle créole. Non, mais pas faire ça qu'on est là. Ou mettre babouquette pour lui. C'est quitter le développer la langue, continuer à parler avec lui dans la langue ou vléa. Et puis, lui-même, quitter le répondre nous, même si on a redit ça le jour là, dans la langue où tu as aimé le parler. Mais pas dire, pas obliger. Donc, c'est même bagage que nous pouvons faire, même si nous avons fait nous en Haïti, caler nous pour nous parler l'autre langue. C'est quitter le développer tout naturellement parce que, comme je dis, il y a une phase de développement pour langue, comme ça, il y a l'autre phase de développement physique, surtout si mon petit monde s'étend, il y a une phase de développement toujours. Donc, pas nuit. Quitter le parler, je ne veux pas. Merci. OK. Donc, je regrette que n'a pressé n'a respecté tant. Mille merci docteur Jérôme et nous gagnons une question pour vous même qui parents et nous t'aimer connait qui ça que t'aimer ouais qui prioriser qui ont bail priorité dans cadre nouvelle et nouveau feuille de route ça de nouveau directive ça qui t'a qu'à faire sentir que ou confiant que direction que yo prend là pour cap ajouter plus l'école et bilingue ou senti que ça pral venir en réalité. Par contre, c'est question claire pour qui ça ko ta ramen wak fait, qui ça ta ramen ou bay comme priorité dans nouvelle décision qui prend là, qu'on est là pour qu'a repartir pour créer l'autre pour travailler sur un nouveau feuille de route. Ou ta ramen ou ça fait, ou dis OK, si ça fait, ou pour vraiment que moun sa yo sérieux dans travail que a faire. Qui ça que lié donc ta mère qu'être parents exprimons sans ça pendant qu'on font réfléchir sur ça n'a et saluer et monsieur Walter Anderson c'est directeur de l'école Matarandlan et qui là avec nous. Walter, I know you speak Creole a little bit, maybe you want to say a few words. The community is here listening to you with a question around the resources in Haitian Creole at the school. I don't know if you want to address the audience with a few words. Well, thank you so much. Thanks for inviting me. I appreciate it. I just want to say thank you so much for the folks that have helped us launch the program and been partners with us, like Pastor Florissant. He's been there. He's always at the beginning of the start of the school year, and he's always just a phone call or email away. So I want to thank Pastor Florissant for being a great community partner with us, and Dr. Gobeau. She gives a lot of input and feedback to the program. So we want to thank her for being a great partner. And then our central office partners, Bodhi Homicide and Daphne, they've been great champions for the program and for our school in the central office. They kind of take up a lot of roadblocks and barriers out of the way for us. So I appreciate Mr. Bodhi and our sister Daphne. I want to thank Lunine for her great academic heavy lift. She does a lot of great academic heavy lifting for us and helping our curriculum get traction. So thank you, Ms. Lunine. Also want to thank Pastor Michelle. She's been helpful with us, especially during our summer programming. So she's been a great asset. And then of course, our Professor Priscilla Joseph, she's been great. She's always been she's a great teacher. She loves the kids. She sacrifices for the kids.
So we have a great team and we're trying to build a great team. You know, just with the Haitian Dual Language Program, today we had the mayor, Mayor Walsh come through as well as the superintendent. And they were so excited to see the progress of the Haitian Dual Language Program. The students were excited. They were doing the alphabet both in Haitian Creole and in English. They were able to read in Haitian Creole. So the superintendent and the mayor were very impressed. One of the things that we're learning, you know, scientifically, I think we all know the benefits of you know, learning the dual language, but when they're young, you know, we're increasing their cognitive dexterity and problem solving skills by having them be in dual language, learning two languages at the same time and learning the content in two languages. So both sides of the brain are being used. So the brain complexity, their problem solving skills are really, really high. We have arguably the sharpest students in Mattapan, as well as the dual language program helps them to embrace their cultural awareness. One of the things that we had a visitor, some visitors from Florida, that, and I guess they have some Haitian students in that part of Florida. They said there's a big difference between our students and their students. We celebrate the culture and the language here at the Matterhorn and in Boston. He goes, in Florida, they don't. He says, our kids look very robust and very, really puffed chests and you know, and shoulders up, and they're proud of the language and proud to speak Creole, where in Florida, they were at his school, they said they would seem kind of sheepish and you know, afraid to speak Creole. But, you know, here we celebrate it because that's an asset that they are able to speak two languages and have the cognitive ability to learn content in both languages. So we are really working hard to get the program launched. I think one of the challenges we face is making sure that the community at large understand that it's great to be in a dual language program, that you know, learning English will happen, but they can also perfect their Creole as well. So not to discount, oh, why should I put them in a dual language program? Oh, I just want them to learn English. No, their brains will go even stronger if they learn both. So we're trying to get that message out and get that out to the community. And that's what we really need some help with, because we have great teachers. I mean, powerful teachers from Madame Bordeaux, Shelley Belazier. We have Miss Joseph. She has an assistant, Ms. Dorr. Then we have Ms. Nicholas in grade one, Ms. Matthew in grade two, Ms. Lane in grade three. So we have powerful Haitian heritage Creole speaking teachers. We just wanted to fill up the whole program. Thank you. Thank you, Mr. Walter. And I'm long-winded, sorry. Yes, that's okay. 5:14, we have 15 minutes to go. Nous gagnons Madame Marie Latortue. Et qui levait ma ligne, t'as même que bref, ma question, t'en prie, fais ça pour nous. Et puis nous va gagner Madame Michel Haïtienne. Et pas oublier, moi, t'aimant de nous brièvement, et qui s'en pense, qui s'en t'a remis, ou est qui priorise, qui s'en t'a remis, ou est priorité pendant que changement ça a fait pour que gagne plus l'école bilingue. Qui s'en t'a remis, ou est si ça a fait, nous dit bon, ok. Et c'est vrai, nous, que Goy Fok a fait et pour nous arriver à destination, à savoir gagner l'école bilingue. Et pour tout le monde qui a bénéficié, qui a célébré la culture, qui a célébré la langue que vous parlez. Donc, Madame Marie et la tortue. Bonsoir. C'est un employé dans Madison Park. OK. Bien, on s'est commenté avec deux questions. Commenté là, c'est pour encourager les parents qui viennent ici. Nous tendons petit gens loin, semble écouter ou mettez le micro à plus près. Ah, OK. Sorry. Oui, oui. OK. On petit commentaire avec deux questions, bien rapide. Oui, oui, merci. Parents qui ont une question, qui ont répondu en anglais, pas découragé. Parce que si vous avez tendance à faire ça, même faire expérience là, première fois que je suis en Haïti, je pense que vous avez un petit peu ignoré le créole là, bien que nous parlions de la calame, mais vous répondez en anglais. Même si vous en Haïti, intégrer la communauté, la parler en créole, tout le monde qui est là, tout le monde qui est là, pas
et si moun yo. Sop, lò pense yo pa pa pren, ya pa pren. C'est ça, c'est ça. Deux questions. Combien de moun ki nan program nan? Ok. Et puis, l'autre question, nous parlons de board of directors. Comment nous planifier pour nous recruter les membres du board of directors? Qualifications. Ok, merci un peu. Ou mettre tes branchés, non, mettre tes connectés, non, à répondre. Je pense que Daphne qui a répondu. Question yeah. Ça, pour nous, ou bien deuxième question, s'il vous plaît. Oui, pour le programme, non, et Madame Huntland, nous avons une capacité de 20 à 25 timons pour chaque. I'm sorry, 20 à 20, yeah, 20 à 22 timons pour chaque et niveau. Et so c'est une classe pour chaque niveau, kindergarten 1, kindergarten 2, first grade, et puis l'année prochaine, add second grade. So qu'on est là, nous avons une capacité pour avoir 426 moun influencés dans le programme. Nan. Parce que son programme qui a développé, nous croyons que chaque année, là, nous ajoutons un nouveau grade et nous avons ajouté une capacité pour l'autre 20 moun pour y participer. Et aussi, nous voulons mettre en pied un développement pour nous capables de supporter les moun qui sont dans l'école secondaire, dans middle school, high school. Et nous pouvons commencer à préparer parce que pour eux-mêmes, c'est plus facile pour nous capables et supporter plus de timoun. Et parce que les restrictions qui gagnent dans l'école élémentaire, qui ne pas gagner dans le niveau secondaire, nan, que nous pouvons mettre au pied et programme côté de si timoun dans high school, et livrer pour une classe pour apprendre créole dans pur. Ou bien pour prendre une classe non et une classe mathématique en créole et spécialement avec pandémie là on capable faire des virtually la pile bagage que nous apprendre dans pandémie là qui ba nous opportunité que nous capable mayen plus ti moun avec opportunité ça et pour comité hein, et ça nous pral mandé c'est que body pour communauté haïtienne là chaque troisième jeudi oui. Troisième jeudi, et nous faire rencontre avec la communauté haïtienne et pour nous discuter et opportunités qui gagnent dans l'office côté Timon à apprendre anglais. Et ça, nous pourrons lancer à yo, c'est que nous pourrons envoyer information à travers le groupe ça pour dire mes opportunités, mes so besoin soumettre et nous t'arrêter même mettre les en place avant fin mois avril là. So si gen parent ki intéressé ou bien membre communautaire qui t'a intéressé pour faire partie de steering committee s'il vous plaît connectez avec Bodhi la faire liste là pour nous et puis les nous les dossiers préparés n'a lancer le baou pour capable faire application. Thank you. Merci, merci. Excusez-moi, je suis plus intéressé de enrollment pour actuellement. Oh. Sous besoin enrôler petit ou pour classe kounye la? Non, nombre de timoun ou gen kounye an programme. Nombre de timoun et nous pas capable bay information ça kounye la parce que son à cause de gens que et loyaux institué mais nous capable de nous gen capacité pour 80 timoun et dans programme là. Donc on va bien actuel nombre de timoun qui fait le programme là kounye. Nous gen timoun dans classe, nous gen sous écrit li nan chat lan pou m kapab pi bien comprendre m pa vle parler trop pou m kapab remet a bodi oui, et juste écrit pour nous Marie la tortue qui n'a fait suivre avec ou ou nous pour email moi également et si t'as bagain l'autre question avant que nous présenter nous bay Michela et madame Michela 5h20 et nous gain seulement 9 minutes comme ça moi pa vle passer sous silence pour m pa saluer monsieur Lionel Ogou et qui c'est membre HLCC et qui a fait un travail colossal et la question curriculum pour l'école Matahantlan et puis bon c'est pas même tombe tout dans la question en créole et Lionel faut-il lever mais on parce que on pas on écran ça pas oublier moi oublier saluer aujourd'hui donc nous pas gagner et madame Michela lui même qui a posé une question ou bien qui a fait un commentaire et justement une minute s'il vous plaît pour nous cap continuer et pour si l'autre qui a une question madame Michela s'il vous plaît. Merci à Pil Bodhi, m'aime encore féliciter ou même avec Daphné et avec tout le monde qui branche sur ligne aujourd'hui, qui parlait, qui t'a fait une vraiment belle présentation aujourd'hui. Je parle même des questions en anglais, effectivement, parce que je connais des gens qui l'administration, que m'aime même des questions. Encore, moi-même, c'est directrice UFES qui est dans Hyde Park là, et
nous supporter un pile programme qui est la BPS, but question que m'a gagné, et ça c'est encore ma fin en anglais, is as a language-based CBO, one of the things that we're concerned about is there are a lot of needs. We're sure that the Boston Public School programs that are dealing with bilinguals may need a lot of support, that we may have the capacity to do that. But in terms of developing the partnership in order for it to flow cohesively, that's the problem. And so I think there needs to be a way for us to make the proper connections or at least have an avenue so that if there are issues or if there are programs in Boston Public Schools, whether they're various schools that we have to go to individually, as opposed to going to individually, there should be some way for us to share our programming in order for us to support BPS a little bit better. So I think that's one thing that I would love to support and work on hand in hand with BPS. Right now we're working on the parent education program for Haitian parents. That's one thing that we're working together, but there have to be other ways that we can work together. And I think if we can work something out or a system so that there's better partnership between language-based CBOs and BPS, that would be great. So that's all I wanted to say as a statement. Thank you. Merci, merci, Madame Michel. Merci encore. Oui, oui. Does anyone want to make a comment? On the question that Madame Michel a just asked, or the question. Nous avons également, on voulait profiter de saluer avant que vous parliez, par contre, qui est-ce? Nous avons seulement 5 minutes encore, et saluer Ilan Plancher et Lionel Ogo pour ce gros support que vous avez. Et Ilan, c'est un monde qui travaille en pile, qui aide les parents, il a une difficulté au sein de l'association parents. Nous, que là, nous apprécions la présence. Et il faut dire même qu'il est venu pour la première fois, chaque troisième jeudi, nous avons un compte ça. Les fêtes plus spéciales aujourd'hui hein, autour de les feuilles de route là. Et cependant, nous toujours dans le chat chaque jeudi. Donc, si vous êtes intéressé pour toujours participer, et dans le chat room, là, on peut juste mettre le numéro, téléphone ou du moins email, et puis m'a toujours rassuré que je invité. Il y a un autre monde qui a fait une intervention. Nous gagnons justement une minute, s'il vous plaît. Pas gagné l'autre monde qui gagne une question? Non? OK, par exemple, nous avons un commentaire. Pabli, nous te poser une question ça, pour nous finir. Mais qui ça pense que tu as dû prioriser et faire de route ça qui encourager que gain plus l'école bilingue? En plus, fois, il y a un bagage ça qui dit qu'il pas arrivé fait. Et nouveau assistant superintendant avec toute équipe là, prend disposition ça. Qui soit à nous qui fait, qui t'a avoir assurance que. Et nous pour aller vraiment en direction, ça, c'est en réalité que ça y est. Donc, si vous n'avez pas de questions, pas de commentaires dans ce sens-là, et moi, gagner information pas moins sur dans le chat room, là, email et téléphone. Et lundi avant le cap contacte moi par téléphone entre 9h et 5h, ou bien on cap justement écrit par email. Et également, nous gagnons dans le site d'ILAC, là, gagner pile information sur évolution, programme. Et bilingue et activité au cap déroulé au sein de l'école publique Boston. Et dans la dernière minute, moi, je voulais rappeler tout le monde que nous allons gagner sous peu, dans le mois de mai, célébration et drapeau noir, et c'est-à-dire c'est héritage, célébration héritage haïtien, côté que nous avons une série d'activités qui fait autour de lui, un drapeau qui monte dans la mairie, un marche qu'on fait sous Blue Hill, à cause de COVID, là, pas gagner lui, mais au niveau de l'école, là, nous avons célébré le drapeau haïtien, nous avons célébré la culture. Nous. Et donc, aussi, si vous êtes parents qui est un même petit, extériorisé et mettez talent en évidence, soit à travers un poème, chanter ou danser, n'importe quelle salle d'avail, faites contact avec nous. Mais officiellement, nous avons gagné participation YoFest, nous avons gagné participation IFSI et avec toute équipe là. Et nous avons gagné participation Nehemiah Project for Hope et également HLCC. Et organisation communautaire ça yo qui déjà font un paquet de travail et yo à présent dans une grande célébration ça que nous va gagner pendant mois mai donc vous va recevoir plus d'informations dans ce sens ça. Donc est-ce que vous avez une question, il y a un commentaire 5h25 nous voulons profiter pendant que vous réfléchissez sur une question, remercier tout le monde qui participait, parents yo en particulier
membres leaders communautaires et également pour effort qu'on fait pour venir et tendre information yo n'a pas encouragé fait planification prend disposition pour capable avec nous chaque troisième jeudi. J'en dis là, rencontre jeudi, c'est une rencontre tout à fait spéciale. Et côté que nous partageons information avec vous sur feuille de route ça, et nouveau directif ça qui gagne et qui prend pour encourager travail ça, c'est-à-dire gagne l'école bilingue pour encourager petit tout, pour encourager ou même comme parent pour inscrire petit tout dans l'école tant qu'on m'a tant là et l'autre école qui gagne un programme bilingue. Et cependant, conversation pas fini là. Nous allons continuer. Et travail ça qui fait jeudi, on le fait déjà avec communauté KVDN, li pral fait avec Panyolio et donc li fait avec nous aujourd'hui hein. Donc on pense que c'est un groupe accueilli. Donc nous après en contact avec vous pour mise à jour et cependant aujourd'hui hein, nous pense que c'était vraiment bien avec tout effort de community engagement qui fait tout travail ça yo également à côté de office élève capable en anglais yo. Nous et tout l'autre monde qui était joint ensemble pour permettre que nous capable réussir rencontre ça. Donc si son parent pas de chance poser question, sous sans tout timide, ou qu'a toujours écrit dans chat room là et ou bien au cap et email moi et pour cap fin connait. T'as m'attendre voir et monsieur Lionel au groupe pendant que n'a fini. Lionel sous là et me connaît toujours gain pile belle information dans question l'anglais et quelques mots pour encourager parent yo dans cadre programme bilingue et pour finir. Et dans trois dernières minutes, yo, nous avons mis en Irlande également, c'est là, dans 30 secondes. Et pour nous finir aujourd'hui, hein, nous croyons que tout le monde sait que c'est le monde qui travaille en pile pour permettre que nous avons un programme bilingue, ça, qui peut évoluer au niveau de l'école. Oui. Bon, vous faites une façon pour me parler quand même. Okay. Oui, bon. Nous avons mis en deux parce que nous avons mis en deux. Non, mais il y a eu un échange qui était fait dans le chat là, que m'a profité de retourner sur lui. Pour répondre à la question, parce que j'ai qui m'a été posé, quantité de monde qui est en 40 et qui quantité de niveau qui gagne. Et question ça, il y a important pile pour nous répondre clair. Donc, nous checker avec le directeur Anderson, nous checker avec M. Joseph, nous gagnons 4 niveaux de la 40 déjà. Nous gagnons K1, K2, premier grade, première année, deuxième année. Deuxième. Et année ça, nous, HLCC, Haitian Language and Culture Center, nous avons travaillé avec le professeur deuxième année pour nous adapter. Donc, ça veut dire que nous avons un gros chemin qui est en fait et nous avons continué toujours. Et Mr. Anderson, de répondre à la question, nous avons une moyenne 60 élèves. Donc, ce n'est pas d'informations qu'on est capable de publier comme ça sur le profil de l'école. Donc, mais c'est information qui existait. Et que sous parents besoin et réponse à eux, ils sont capables de contacter directement, soit directeur de l'école là, ou bien le responsable dans le bureau central, il y a Bali. C'est ça qui fait nous tous les gens hésiter, gagner une nouvelle là comme ça. Mais comme moi-même, nous sommes en extérieur, nous parlons toute la j'ai bouche. Mais Joseph, pour ne pas gagner, on va ajouter. C'est ça. C'est que 29, nous par contre, c'est comme qui voulait dire un dernier bagage, nous étions seulement une minute. Entre temps, on a dit tout le monde qui te répond présent. Et merci, grand merci. Nous voulons parler de équipe. Oui, moi t'ai posé une question. Moi pas de réponse. Non, c'est Linda Michel. Ok. Bon, ma question m'a retourné sur vous parce que l'heure arrivée. Vous pouvez rappeler une question, t'en prie. Je t'ai demandé est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour programmer IFC dans l'autre zone? Oh, docteur Gabo, t'es répondu ça. T'es répondu ça. Mm-hmm. Il n'y a pas de réponse, moi, non? Non, non. Contactez-le directement. Docteur Gabo, vous ne semblez pas là. Contactez IFSI, non, 1626, Broil Avenue, Matapen. OK, 1626. Merci beaucoup. Oui, je connais, oui, je connais, oui. Yes, je me contacte là. Okay. Merci beaucoup. OK. Nous avons fini pour nous dire merci à tout le monde. Nous sommes affables de représenter IOFES, IFSI. Et True Alliance, Neymar Project for Hope, HLCC, et puis tout le monde qui était sous panel, yo, et Dr. Florissin, nous saluons, et M. Joseph, et puis Dr. Lunine, Pierre Jérôme, et tout l'autre monde, nous encore remercions l'assistant superintendant, et puis toute équipe par engagement, équipe office, élève capable d'apprendre anglais, hein, tout le monde en général, interpréteur, qui était M. Moïse, qui était aidé nous avec l'interprétation, nous dit tout le monde merci. Donc, nous avons rendez-vous troisième jeudi dans le mois qui va venir
Et donc, si vous pouvez recevoir une invitation, montez là en façon ou l'autre, vous pouvez toujours faire un signe dans coordonnées que vous avez dans le chat là, pour permettre que vous puissiez participer avec nous à une prochaine occasion. Mille merci, passez bonne nuit et l'autre mois qui est venu pour l'autre rencontre comme ça, parce que nous avons toujours plus de informations pour partager avec vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Passez bonne nuit, tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. C'est moi pour qui vous remercie. OK, bye-bye. Have a good night. Have a good night. Thank you. Merci.